familles d'accueil, ce sont des personnes qui sont rémunérées par le département et qui reçoivent ces enfants, et c'est du 24 heures sur 24 et du 365 jours sur 365 dans l'année. Hein. Malheureusement, actuellement, on a beaucoup de familles d'accueil où les gens arrivent à l'âge de la retraite. Donc, on est un peu en période de recrutement. C'est pas évident de trouver des nouvelles familles d'accueil. Ils ont un agrément hein, pour être famille d'accueil. Nous, effectivement, on les reçoit, on les respire, on regarde si c'est possible. On visite aussi leur habitat pour voir si c'est compatible. Et quelquefois, dans les familles d'accueil, l'agrément est donné à la mère, à la maman. Et le père peut avoir aussi un agrément. On a plusieurs foyers, effectivement, dans le Rhône, donc ce qu'on appelle les foyers ASE. Bon, c'est pareil, hein, c'est des enfants qu'on n'a pas mis en famille d'accueil, mais du coup, on les a mis dans ces foyers parce qu'ils ne pouvaient plus rester avec leurs parents. C'est très souvent une mise en danger pour eux. Dès le département, on fait aussi une aide financière pour des enfants placés qui ont des particularités, qui demandent des soins réguliers, voilà. Donc on fait une aide financière aussi pour ses parents. Parents famille d'accueil, en plus de leur salaire, c'est une embauche.